Wesh, 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 les petits loups et loups, nous sommes le mardi 6 juillet de l'année 2021. Et il est 1h42 du matin. Alors, j'ai sous les yeux le texte The Lyrics de George Carlin about politician. Et alors, c'est un extrait qui est fantastique. Qui est fantastique, ça commence par I don't complain about politicians. Everybody complain about politicians. Everybody says they suck. Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents, American family, American homes, American school, American churches, American businesses, and American university. And they are elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. Garbage in, garbage out. If you have selfish, arrogant and ignorant citizens, etc. Et puis ça se termine par... J'aime bien le passage où il dit... Then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody is at the small, scratching his house, picking his nose. Donc, où sont les bons Américains et tout ça? On n'a pas de gens comme ça dans ce pays. Tout le monde est au supermarché en train de se gratter le cul et de se curer le pif. Taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them, en train de se balader dans le supermarché en se curant le pif et en train d'acheter avec la carte de crédit une paire de pompes. Généralement, c'est de la marque. Quand je vois un peu à Strasbourg, il y a 9 personnes sur 10 se baladent avec de la marque, du Nike, du Adidas, un truc comme ça. Ça, c'est des pompes à 10 euros. 9,90 €, je les ai achetées au Auchan. Et demain, je vais racheter les mêmes. Ça fait très bien l'affaire. Hein. C'est léger. Il n'y a pas de raison d'acheter de la marque et de payer la marque et tout ça. Alors ça, c'est aussi le truc fantastique. Donc, ce que je disais l'autre jour, je suis désolé pour Étienne Chouard. Devant la puissance des lobbies, devant, comme dit Carlin, they spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think and what to buy. Donc ils vont contrôler votre mental pour faire de vous des citoyens. Il faut à tout prix que vous connaissiez le minimum. Il faut savoir à peu près compter, à peu près lire et après bosser pour le minimum, bien entendu. On va pas vous filer 2000 euros, on va vous filer 1000 euros. Il faut bien que vous soyez pris, take you by your balls, il faut que vous soyez pris par les couilles pour travailler le moins cher possible et après consommer. Et après, surtout consommer et si vous pouvez utiliser une carte bancaire, si vous pouvez faire, parce que moi je suis tombé, je suis une victime des lobbies et de la consommation. Et le gouvernement ne vous protège pas contre ça, parce qu'il faut faire tourner le système. En consommant, bah, vous payez les taxes, vous payez, etc. Et donc là, je dis toujours, avec le Covid-19, on est à l'aube d'un bankrupt. Retirez, pour ceux qui en ont un peu, surtout pour ceux qui en ont beaucoup, ils sont à l'abri. Retirez votre pognon des banques, ceux qui ont 10 000, 20 000 euros à la banque, comme ça, ne croyez pas le Front Monétaire International qui vous garantit jusqu'à 100 000. Quand Étienne Chouard, la mutinerie, quand il va y avoir le bankrupt comme en 29, l'argent n'aura plus de valeur. À ce moment-là, moi, je suis en train de me préparer. J'ai les poules, etc. Pour être autonome, il faut, c'est l'autonomie en question. Une vidéo de la mutinerie d'Étienne Chouard que je mettrai en bas. En commentaire. Alors, Carlin est absolument extraordinaire, quoi. C'est pour ça qu'il dit... ça continue par... So, I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way on election day. I stay home. Fuck them. Two reasons of that.
I don't want, first of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. Donc là, voilà que la patrie a été vendue depuis un moment. And secondly, I don't want, because I believe if you want, you have no right to complain. People said, like it to twist that around, I know the way, the way. Donc, where is the logic in that? Hein? Les gens qui disent, si vous votez pas, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Où est la logique en ça? Il explique car, hein? Lui qui reste à la maison, si vous votez, vous votez les pourris au pouvoir, bah, c'est vous qui causez le problème, c'est pas lui, c'est pas moi. Puisqu'en Election Day, je suis resté à la maison deux fois. Alors on dit souvent, le français est con, ils sont pas si cons, on est 40%, 45% d'abstentionnistes. Coluche l'avait déjà dit, si voter servait à quelque chose, ça ferait depuis longtemps que ça serait interdit. Donc, le système est le suivant, les lobbies, les superpuissants, ceux qui peuvent s'acheter des sous-marins nucléaires, comme vous achetez un petit pain au chocolat le matin, contrôlent et corrompent nos politiques pour faire passer les lois qui vont transformer en hyper-consommateur. Voilà, il est 1h40 du matin. Un coucou pour ils m'ont interné demain matin. Et alors surtout un coucou à Dieudonné, qui est un artiste fantastique. Quand il fait son sketch sur la justice, faut vraiment avoir des douilles pour faire ça. Quand il dit il n'y a pas un podium, il y a, le repère, c'est Nuremberg. Alors je vous invite à regarder. Alors ça aussi, les lobbies, nous. J'aimais pas Dieudonné parce que j'ai été conditionné, on disait Dieudonné. Il s'est fait condamner récemment. Normal, il dérange le big club, c'est-à-dire les superpuissants. Dieudonné est pour un juste équilibre des richesses. Il a un humour qui est extraordinaire. Et c'est Dieudonné Nbala. Quand il nous fait le sketch avec les Chinois arrivent sur la Lune, les Américains disent ah, attention, il y a un cadastre là-haut. Ou alors quand son pote lui fait un permis. Permis lunaire, un permis de jeep lunaire. Attention, on va se faire choper. Garçon, il y a quelqu'un dans la salle. Ah, je suis tout seul. Au 36 rue de l'hôtel de ville. Là, je vais me faire un salon.